Elle dit les sorcières. D'accord. C'est pour cela qu'elle est devant moi, c'est ça? Oui. Demandez-lui et de répondre à ça. Reposez la question. Elle dit c'est à cause de ça qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Elle veut parler pour que vous la délivrez. Ah, elle veut parler. Oui. Ah, mais c'est bien. Vous voulez tout dire? Dis quoi? Parlez quoi? Mais elle veut parler des mal qu'elle a fait, les personnes qu'elle a détruites, les personnes qu'elle a Non. tuées, elle veut parler de ça. D'accord. Ah, il faut lui dire que c'est le principe pour être délivré. Sinon, si elle est prête pour ça, pas de problème. Elle dit qu'elle est prête à parler. D'accord. Elle reconnaît sa sorcellerie, c'est ça? Elle dit qu'elle reconnaît. Alors, très bien. Qui t'a donné la sorcellerie? Elle dit qu'elle est née avec. Ok. Ah oui. Elle dit On est d'accord que vous me direz comme ça la vérité tout le temps. Pardon, pourquoi? Est-ce qu'elle est prête à me dire la vérité jusqu'à ce qu'on finisse? Elle est Oui, née avec, oui, c'est ça? oui, oui. Elle dit qu'elle est prête à dire la vérité. Très bien. Alors, vous êtes née avec la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, fait quoi? Ça fait quoi? La sorcellerie en général, fait quoi? Le sorcier fait quoi? Elle dit la sorcellerie tue et ça détruit. Ça tue et ça détruit, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a fait ça aussi. Elle a tué, elle a détruit. Elle dit qu'elle a tué, qu'elle a détruit. D'accord. Donc, on va commencer par quoi? Les gens t'ont tué ou les gens t'ont détruit? Elle est prête à dire ce qu'elle a détruit et ce qu'elle a tué. Oui, je suis d'accord. Merci pour son courage déjà. Alors, je vais demander, elle commence par quoi? Les gens, elle a détruit ou elle commence par les gens qu'elle a tués? Elle dit elle va commencer par ce qu'elle a détruit. D'accord. Donc on y va. On écoute. D'accord. Elle m'excuse. Je vais lui poser la question. Sont combien de personnes qu'elle a détruites? Est-ce qu'elle a le nombre des gens qu'elle a détruits? Elle dit elle a détruit 10 personnes. D'accord. Et maintenant, elle peut les nommer et puis dire comment elle les a tués. Elle a détruit. Elle peut maintenant les nommer. Pardon, elle peut les nommer. Maintenant, les nommer. Les nommer. Siraki. Zaki. Elle dit quoi? Non, non, doucement. Quand tu dis le nom de un, et puis tu dis ce que tu as fait. Elle dit qu'elle a détruit Syriac, un de mes grands frères. Elle dit qu'elle a pris l'appartement de notre aîné. Elle a dit le nom, c'était quoi là? Syriac, Syriac. Ça, c'est notre aîné. C'est Syriac. Syriac, Syriac, ouais. Il est où? Il est à Bengourou. Il est où? À Bengourou, à Bengourou. Oui. D'accord. Elle dit qu'est-ce qu'elle a fait à Syrah, son fils à Gandoro? Elle a fait quoi? Elle a pris son enfantement. Aujourd'hui, je vous parle, il bande pas. Elle a pris son enfant. Oui. Ah, Il bande pas, il aujourd'hui, tu fonctionne vois, pas. Ça fonctionne pas. Bakary, c'est le pain. Oui. Comment elle a pris ça? Non, c'est vrai. Non, il va être à
Elle a versé une poudre à terre et puis il a marché dessus. Tu n'as pas mangé? Pardon? Nous sommes au point. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé ça? Elle n'a pas mangé son. Elle est au doux. Elle l'a mangé. Elle l'a mangé. Vous êtes sûr là? Tu as mangé ça? Elle reconnaît. Elle a mangé le bakari. Elle a mangé le bakari. Comment ça a mangé pour manger le bakari? Non, vous pouvez. Elle ne savait pas, non, rien à rien. Nous y sommes nettes. Nous y crevons. Attends. Elle dit qu'elle a versé la poudre à terre. Elle a pris la puissance de son sexe. Pour manger. Elle a pris la puissance de son sexe pour manger. En versant la poudre à terre. À nous. Pourquoi? Ah, c'est vrai. Elle dit parce qu'elle est sorcière. Et c'est la sorcellerie qui fait ça. C'est ton enfant quand même. C'est ton enfant. Et pourquoi tu peux détruire ton enfant de ta sorte? Elle dit au moment où elle s'apprêtait à faire ça, elle ne savait pas que c'était son enfant. Pardon. Non, tu sais pas qui tu vas détruire, puis tu détruis. Elle sait mon pasteur. Je sais que lui dit. Est-ce qu'elle est prête à dire la vérité? Quand tu peux ne pas savoir et tu sais que ta main est son bacal. Comment tu dis? Moi je sais, c'est toi, moi je sais. Maintenant tu dois être sincère. On est déjà dans un processus des aveux. C'est pas la peine d'avoir peur ou bien d'avoir crainte. C'est ton enfant. Voilà, et dis-nous, moi je pose la question de savoir que toi tu as mis un enfant au monde. Normalement tu es une mère. Pourquoi tu peux aller manger le bakari? Est-ce que c'est mangeable le bakari? Pourquoi tu fais ça à ton enfant? Elle dit c'est parce qu'elle est sorcière qu'elle a fait ça. Qu'elle a mangé. Non, papa. Oh, c'est pas. Tu demandes pardon de vous. Laisse faire le pardon là. Mais. Et tu as gâté quoi chez Sirac encore? Non, faut pas l'influencer, lui d'à côté là. Il faut la laisser. C'est un état de remords. Laisse-la demander. Même si elle demande pardon, laisse-la dans tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est moi qui dois lui dire, c'est moi qui dois dire à ta mère, arrête ou pas. Toi, tu l'écoutes et tu traduis. Elle dit qu'elle a pris son intelligence en plus de ça. Ok. Et quoi d'autre? C'est tout ce que tu as raté chez Chirac? Il n'a pas enfanté aussi. Non, mais tu as mangé déjà le truc, l'instrument qui produit l'enfant. L'instrument qui produit l'enfant, là, tu as mangé? Il a déjà mangé, donc tout est déjà foutu. Non, il ne peut plus y avoir une production. Il va pas y manger. Tu as mangé ça, quoi? Ataka, ou bien Bolo, ou Dongoum? Elle dit qu'elle a mangé avec Foutou. Hein? Avec Foutou? Avec Foutou. C'est grave. Elle a bien mangé le bakari. Elle a bien. Toi, t'as très fort, hein? Allons-y. Mais, Zaki, nous t'allais, Elle dit qu'elle a détruit, comment on l'appelle, les finances de notre deuxième grand frère, Jacques. Lui-même, il était ici, mais il est reparti à Bengou. Elle a adapté ses finances comment? Le chasse à nous, au bureau. Nous sommes à quel point à une bête à Fodi. Et qu'à Fodi, et Blasso, à quoi est son nom, Pierre? À quoi est-ce que tu nous dis? Et d'un coup, il t'a oublié. Elle dit qu'elle a versé une poudre à terre. Et puis quand il a marché sur la poudre, tout ce qu'il fait comme finance, ça ne marche pas. Tout dernièrement, mais il a son atelier qui a pris feu.
ça vaut pas 2 mois. Elle dit, c'est peut-être qu'à la base de ça. Ça a pris feu. Oui, oui. Ça a pris feu comment? Vers les 1h du matin. Elle a fait comment? Elle a fait comment? Non, vous avez. Bah, ça met. Ça met, ouais. Tu vois comment la famille, là? Atelier, ça a pris tant de temps. Elle dit, c'est la nuit, vers les 1h du matin, ouais, qu'elle a mis feu. Préparer, carrément. Ah, oui. Et c'est vers les 1h du matin, elle a mis feu dedans. En sorcellerie. Mm-hmm. Et c'est elle qui a la base de ça. Mm-hmm. Mais c'est ton enfant. C'est ça, donc c'est notre deuxième. Fitou ici. Non, laisse pas répondre. C'est elle, je pense. C'est mon enfant. Elle dit c'est son pourquoi enfant. Pourquoi tu as fait ça? Anoutou Kabloum. Dormi. Anoutou Kabloum. On t'a rien, voilà. On t'a rien, voilà. On t'a rien, voilà. Elle dit c'est la sorcellerie qui fait ça. On progresse. Qui d'autre? C'est tout ce que tu as fait chez Sirap. C'est comment il appelle là? Elle dit c'est ce qu'elle a fait chez Thomas. Jacques. Thomas, ni Saint-Tuité. Azon et Keda. Mbrouni. Bon, on t'en. C'est un autre troisième grand frère. Il a lancé là une ceinture. Et il a détruit son œil gauche, je crois, oui, son œil gauche. Son œil gauche ne fonctionne pas tellement. Donc, toi, tu n'es pas parmi les grands frères? Si, moi, je suis le quatrième. Ah, bon, il y a quatre devant toi. Il y a quatre devant moi. C'est après le troisième. Non, mais regarde, on pense que tu es l'aîné. Hein? Non. Je suis le quatrième. Allons-y, la vieille. Allô, allez, Thomas. Thomas, ton nom est donné ici. Thomas, oui, oui, elle dit la comment l'appelle, elle a gâté son truc. Ses finances aussi, elle a gâté ses finances. Elles sont masques. Non. Ça fait qu'il a. Il avait un atelier. Bon, il travaille à l'Ordre d'Ivoire, dans une série. Il était en train de faire son économie. Elle dit elle a mis une poudre à terre aussi, qu'il a marché dessus, il allait vendre tout le matériel. Le matériel qu'il devrait prendre pour aller. Non, celui qu'elle a passé. Son œil là, celui qui l'a cassé. Son... C'est ce qu'il veut savoir. Oui, 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 celui qui l'a cassé son œil. Son œil là. Oui, oui. Elle a fait quoi? Elle a dit tiens. On vous donne une fou. Nous, on prend plus le même. Elle dit elle s'est transformée en abeille. Les abeilles. Il travaille avec les 18 heures et puis l'abeille a tapé ses yeux. Depuis, l'œil ne s'est plus retrouvé. Donc, on est parti à l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, l'œil ne fonctionne plus. Là, je suis. Bon. Sans soi, moi, je suis au courant de ça. Ah oui. Allons-y. Je vais parler de notre petite soeur, ma petite soeur maintenant. Je ne sais pas si c'est possible. Ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rose. Si, elle est là pour ça. Oui, elle s'appelle okay. Rose. À nous donner Rose. Rose, ta forme mariage, ils t'ont dit. Elle dit elle a détruit le mariage de ma petite soeur. Oui, le mariage de ma petite soeur. Si tous ceux qui. Parce que quand elle a fait ça, tous ceux qui viennent, elle les refuse. Soit c'est ma grande soeur qui les chasse, ou bien c'est elle-même qui refuse. Il y a un jugement qui est venu, et ça vaut au moins 10 ans en arrière. Ça, je me rappelle de ça, même comme si c'était hier. Elle dit que c'est elle qui était à la base de ça. Quand le juge vient, ils insultent le juge, ils l'humilient. Donc, jusqu'à après, il s'est découragé et puis s'est retiré. Elle dit c'est elle qui est à la base de ça. Ok. Donc, mais Djawé. Tu vas poser question d'abord. Mais on voit. Djawé. Comment tu as. C'est toi qui as détruit le mariage de ta fille? Elle dit c'est elle. Mm-hmm. Elle dit c'est elle qui a la base de ça. Comment tu as fait? Non, Blogo. Blo, oui, Aïkaton. Mais d'Abewa, et non, paix. Bon, non, qu'on va dire la série, Blo, ici. Oh, anyway. Elle dit que c'est. Elle a fait des tests, sauf que quand quelqu'un vient, la personne répare. Et elle a pris son intelligence.
Tous ceux qui viennent repas, elle a trouvé une fois à San Pedro, elle a allumé trois bougies. Quand elle a allumé la première bougie, elle a parlé dessus, sur son intelligence. La première bougie, c'est ça, allumée, c'est terminé. La deuxième bougie, troisième bougie. Tout s'est éteint après. Tout ça, c'était pour prendre son intelligence. Elle a pu récupérer l'intelligence de son enfant? Oui, elle a récupéré. Jusqu'au. Et elle a envoyé ça où? Ses raisonnements, tu sais même que ça ne va pas. Quand elle raisonne, elle est à San Pedro. Elle a envoyé son intelligence dans le monde. Ok. Si vous savez. Intelligence, non, si vous savez. Nous sommes un contre vous. Elle a creusé un trou et puis elle a mis ça dedans et puis elle a fermé. Et elle a, quand tu dis, quand elle raisonne, on est, elle a un raisonnement, truc, ça veut dire quoi, elle a perdu la raison, c'est ça? Non, elle n'a pas perdu la raison, elle a fait ça sciemment. Non, la fille en question. Oui, oui. La fille en question, elle a perdu la raison. Oui, oui, elle a perdu la raison. D'accord, vous pouvez la faire venir un petit peu, si possible? Si, si, il n'y a pas de souci. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Un peu. Pourquoi? Bon, si tu demandes, elle sera obligée d'être là. Sinon, elle est à San Pedro. Si tu demandes qu'elle vienne, elle va venir. Donc, lui, il faut qu'on la délivre. Et si vous voulez qu'elle vit là, on a besoin de réfléchir pour avancer dans la vie. Après la délivrance, elle sera obligée d'être là. C'est pas après la délivrance. On a besoin d'elle la semaine. Elle est fâchée. Oui, allez-y. Elle y va. Elle dit qu'elle est fâchée. Elle est fâchée contre elle. Donc, je n'ai pas su qu'elle vienne. Elle est venue, elle a su que c'est la délivrance. Oui, oui, mais on va régler ça. On va régler ça. Il faut qu'on règle. Elle ne peut pas éternellement se fâcher contre toi. Donc, moi, je veux même régler ça. Je veux qu'elle vienne pour qu'on règle ça. Elle est fâchée, d'accord, mais il faut qu'on règle. Et toi, il faut vouloir qu'on règle ça. Si, si. Il faut qu'elle vienne qu'on règle. Elle n'a qu'à être fâchée que sa mère. C'est vrai. Elle n'a qu'à être fâchée sa mère. Non, il faut qu'on règle ça. Il ne faut pas le laisser comme ça. Et non seulement ça, elle a besoin d'autant de choses pour l'aider à pardonner. Et c'est parce qu'elle a. Ce qu'elle a. Et pourquoi elle est fâchée? Elle est fâchée pourquoi? Elle est fâchée parce qu'elle sait que c'est sa maman qui l'a détruit. Parce qu'elle-même, elle a vite commencé. Nous, on partait à l'école, elle a abandonné un peu vite. Donc, c'est elle qui s'occupait de la vieille. Donc, à la dernière minute, elle a su que c'est la vieille qui est à la base de tout ça là. Elle s'est vraiment fâchée. Parce que c'est elle-même qui s'occupait de la vieille. Parce qu'elle a commencé très jeune. Je me rappelle comme si c'était c'est elle qui faisait tout pour la vieille. Bon, on va régler ça. D'accord? Pas de souci. Je vais te régler ça. Pardon? D'accord? Est-ce que, je pose la question à la maman. Est-ce qu'elle est d'accord qu'on règle ce problème avec sa fille? Non, d'accord. Elle dit qu'elle est d'accord. On va régler ça. Il faut l'appeler. Il faut dire que le prophète Kassou a besoin d'elle. On va régler ça. Ok, pas de souci. On y va. Oui, mon prophète. Oui, on y va. Elle parle. Il y a un autre dernier aussi. Non, la suite des aveux. La suite des aveux. Oui, oui. Elle parle de la dernière maintenant. Dormi. On sort à quoi? Les maris d'agriot.
Moi, j'étais, elle dit, quand moi j'étais à Amsoko, il y avait une grande boutique. Elle s'est mise dans la peau de quelqu'un d'autre, elle est venue faire achat. Depuis que j'ai pris l'argent, j'ai mis dans la caisse. C'est là que mes problèmes ont commencé. Oui. La vie, elle est terrible. Hein? Faut bien expliquer ça. Elle dit. Non, on a expliqué parce qu'on s'en faisait de ça. Aide beaucoup. Non, comment s'arranger pour détruire? Nous y a encore tout. On s'en a quoi de dire. Au Bruna. Avec un nom, elle a quoi de dire. Ce coup donne les gens. Elle dit, elle a appelé mon nom. Et elle a mis l'argent dessus. Et puis elle est venue me remettre. Je n'ai pas vu. Elle dit qu'elle s'est mise dans la peau de quelqu'un. Comme si c'est un homme qui est venu faire achat. Mais c'est elle qui était. Comme un client. Comme un elle client. Elle est dans la peau d'un client, c'est ça? Merci. Tu es venu faire les achats. Merci. Sachant que tu es son fils. Sachant que c'est moi qui faisais. Il envoyait l'argent aussi. Oh, punaise. Allez, je suis choqué là. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on te donne l'argent. Excuse-moi, mais ça, c'est l'être de tes mains. Puisqu'on ne savait pas aussi. Mmh. Non, voilà. Ce que j'ai dit aux gens que les avis les faire, moi-même, là, c'est ça. Je me mets d'abord choqué. Que vous, parce que bon, je ne fais pas ça avec. Tu me chuchotes comme une mère. Surtout même, tu te mets dans la peau d'un client. Et tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, on va faire là, ce n'est pas bon. C'est détruire ton fils. Et tu as ce courage-là d'aller détruire. Ben, un enfant qui fait quelque chose, pas parce qu'il fait rien, il fait quelque chose. Et tu détruis ça. Tu trouves ça normal, la vieille? Papa. Appelle-moi professeur, c'est encore plus intéressant. Il faut lui demander. Elle sait très bien que tu es son fils, c'est pas ça? Oui, oui. Et que tu ne vis que de ça, c'est ton travail. Oui. Bon, elle se lève, elle se met dans la peau d'un client, juste pour aller détruire ton business. Tu faisais quoi? J'avais une grande boutique à Yamsoko. Bon, deux boutiques même. Et elle a détruit tout. Boutique de quoi? Il y avait quoi? Il y avait d'abord boutique de pièces détachées. Et puis il y avait boutique pour, comment on appelle, ce que pour les Mauritaniens là, il y avait ça. Mais c'était un peu comme supermarché. C'était un peu comme un supermarché. Donc, il ne te donnait pas l'argent? Pardon? Il faut demander à la maman, là, est-ce que tu ne lui donnais pas de l'argent? Et là, est-ce qu'il m'en soit après nous? Est-ce qu'il m'en a après nous? Toujours même. Hein? Elle dit chaque jour, je lui donnais l'argent. Bon, quelqu'un qui donne de l'argent tous les jours. Pourquoi tu veux tous ces personnes? Non, mais non, ça prend tes questions. À nous, pour nous plaît. Il y a un peu de la bâtiment. Elle dit que c'est le lieu de la sorcellerie. Donc, tu n'as pas eu pitié, tu n'as pas pensé à tout ce qu'il t'a fait comme don d'argent. Est-ce que tu as pensé quand même à ça? Que le monsieur, que ton fils qui te venait de détruire, qui est en train de détruire là, c'est celui qui t'a aidé. Est-ce que vous pensez? Il t'a aidé à te donner l'argent. Elle a fait ça sciemment. Elle a fait ça exprès.
Donc ça veut dire que tu as fait exprès, tu n'es pas bien. Elle reconnaît qu'elle a fait ça exprès. C'est un mauvais fond. On y va. On progresse, hein? Elle dit qu'elle a tué son papa au pays. Non, pour les gens qui ont gardé la salle d'indice, tu as tout dit le nom d'indice. Non, elle dit c'est 10, elle a tué 10 personnes. Ah. Non, pardon. Elle a gâté, comme on appelle, l'avenir de 10 personnes. C'est-à-dire tous ses enfants. Est-ce qu'elle a dit le nom d'elle? Elle a dit tous les 10 là? Non, on n'a pas encore fini avec les 10. Mais elle pourrait pas la faire de tuer, papa. Elle dit c'est le nom des personnes qu'elle a détruites là. C'est elle qu'elle a cité. Ce sont eux qu'elle a cité. Personne n'est pas forcé, t'as dit 10, hein. On est dans la ville. Au-delà des numéros, il y a 5 cités. Riodi, Zach, Thomas, Rose, Delphine, Vitoline, de ce nom, elle a un nom de Tantoukiawai. Vitoline a un nom de Wani. Elle a. Elle dit elle a détruit le nom et la vie de ma petite aussi qui s'appelle Victorine. Elle a pris son enfantement aussi. Son dernier même enfant même vient de décéder, ça ne vaut pas un mois. C'est hier même on lui a dit ça, parce que mon petit frère était là. On l'écoute, hein? Son dernier enfant qui lui restait là, elle dit elle a pris ça aussi. Qui a pris ça? La vieille, ma maman. Elle a mangé ça ou elle a pris? En ouvrant. Mais elle a mangé ça, elle dit qu'elle a mangé ça. Tu es là-bas. Bon, est-ce que tu as envie de parler? Parce que là, elle dit elle a envie de parler. Elle parle de ma petite soeur. Ton enfant là. Elle dit elle a tué tous ses enfants. Les enfants de ma petite soeur et qui étaient avec elle ici là. Elle a tué ses deux enfants. Elle t'a fait quoi? L'enfant est en train de quoi est-on? Elle dit qu'ils n'ont rien fait, mais elle a appelé leur nom et puis elle les a tués. Ses petits-enfants. Ses petits-enfants. Bon, la vieille, t'as tué combien de personnes? Mais la vieille, où? Elle dit qu'elle a tué 150 personnes chez elle là-bas. Pour tout ça, tu as tué combien de personnes? Mais pour voir, tu as tué un Ah, elle supporte. Merci, Pévimé, tu es kakakaka. Elle a eu 1 million de. Depuis, petit là. Non, malheureusement. Mais Nabio, non, de million. Toi, tu es mon oncle, ton canon. Toi, mon fils. Ou peut-être 100. Tchaoui. Ou peut-être 100. Bon, vous voulez dire. Ça fait au total. Elle dit elle a tué 3500 personnes. Elle dit elle a tué 3500 personnes. C'est vrai. C'est ce qu'elle vient de dire. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme que c'est vrai. Amenez-moi la fille qui se trouve à Saint-Pedro. Et nous allons finaliser votre délivrance. Allez vous asseoir. Amenez-moi la fille, on va finaliser la délivrance.